وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dans le hadith sahih que l'imam al-Albani rahimahullah a dit qu'il était acceptable dans sahih al-Jami', Umm Hani bint Abi Talib a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a préféré Quraysh sur les autres par sept caractéristiques spécifiques à eux, ou par sept bienfaits, dont personne n'a eu le droit avant eux, et dont personne n'aura cette faveur après eux. Donc, subhanallah, comment Allah ta'ala, il a préféré Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a préféré Quraysh car je fais partie d'eux. Ça, c'est la première. Deuxièmement, car la prophétie est chez eux. C'est-à-dire que la prophétie, elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anna al-hijaba tafihim. Al-hijaba, la robe de la Kaaba. Le fait d'habiller la Kaaba. C'est de Quraysh, c'est eux qui ont cet honneur-là. Et ils ont l'honneur d'abreuver les pèlerins. Et Allah leur a donné la victoire sur l'éléphant. Et ils ont adoré Allah 10 ans, alors que personne d'autre à ce moment-là l'adorait. Et Allah Ta'ala a révélé une sourate du Coran, sourate Quraysh, où ils sont énoncés et il n'y a personne d'autre à part eux qui sont énoncés dans cette sourate.